Allô, Étienne. Oui. Oui, oui, c'est presque bon. Oui. Oui, oui, en fait, regarde. La machine marque là. Donc il faut penser à le changer. J'ai lancé pour toi, hein. C'est toi, c'est ok. Oui. J'ai dit pour toi. Oui, tous les deux, c'est bon. Non, j'ai déjà lancé, hein. Tous les trois sont ok, c'est parti. Oui. Vous l'avez dit, ça, c'est bon. Thank you.
faible, c'est bon? Ou la radio? Non, c'est presque bon. C'est un petit bon. Truc. C'est pas bon. Non, 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 il y a un petit truc à régler. Ouais, c'est pas bon. Grand logo ko wando c'est bon hein logo wando ko c'est bon quand j'ai mon c'est bon ko kondo ni ala afisha ko agrandi ko wasa ni grama no oro abonnement ko un yalto un doara no wade ni ambeka c'est déjà lancé depuis on est en direct oui. Et le reste le restream ça va boss c'est notre boss qui est là aujourd'hui oui qui audience bébé non devant la chambre à quoi on est où là allez on quitte les mais ah non on n'est pas obligé de venir on peut représenter par les avocats. Donc pour laquelle on vient faire ça avec calé l'activité nous pas dit à vous vous les marquez. Tá vendo, não? Mas Bruno não arde não me disse o ano de. Esse é ainda não passei não. Ah, é ainda que falar aqui. Consegue falar fazer dentro já né? Oui. Ok. Bacar, quem é lá ba? Bacari, Bacari. A realização lá ba, não é pas como vous ici. Ah, c'est pas, c'est moi qui réalisais là-bas pour eux, donc... C'est l'angle. Pendant que l'autre est en train de parler, on est ailleurs, quoi. J'attends le président prendre la parole. Et à tout le monde. Prendre l'avocat. Hey. Hein? Pas fait, je vais dire, Kelly. Mais la flèche, on s'envoie ça par des gars. Ça lève dans un instant, d'accord. Michel, reste ici d'abord pour cadrer le président. Après, fais gamener. Michel, on a un gars cadré, fais gamener. Dogasi. Hein? Dogasi. Tu as mis sur nos pages? Oui. Bon, je pense que c'est déjà sur nos pages.
Exactement. Donc je veux... Maintenant, laisse faire parler. Comment est-ce que je vais être? Attends, je vais déplacer. Allô? On Ah, on dépose là-bas, par là, à l'angle. Oui. Salut. S'il vous plaît, vous ne pas de l'esprit de l'esprit. C'est pas la police qui va se faire plus de comment est-ce que c'est le cas? C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas. Vous allez me donner un instant, je vais faire ici. Ministère public confesse Monsieur Raphaël Laval, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur Claude Pivi, Monsieur Moussa Kekoro Kamara, Monsieur Ibrahim Kamara Di Kalonzo, Monsieur Aboubakar Diakité Di Pumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dagis Kamara, Monsieur Mamadou Aliou Kleka, Monsieur Alpha Amadou Balde, Monsieur Abdoulaye Cheikh Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Bailouba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Voilà, comme annoncé lors de la dernière audience, le tribunal va entamer aujourd'hui les confrontations. Et à cette phase, avant de commencer, le tribunal informe toutes les parties que la confrontation, ça ne veut pas dire qu'on va reprendre le combat entièrement. Le tribunal a choisi quelques personnes entre lesquels il y aura la confrontation. Il est en train de faire. Et des points précis seront débattus. Ça veut dire qu'on ne reviendra pas complètement sur les débats. Les débats sont déjà passés. Tout le monde a suivi les débats. Et on va poser des questions. De finir avec donc ceux qui voudront sur des points bien précis. Et s'il y a des parties qui veulent demander la confrontation à certaines personnes, il est trouvé par le tribunal apprécia ça au moment opportun. Il y a la vidéo dans le truc. Le tribunal appelle M. Moussa Dagis Kamara. Monsieur Aboubakar Diakité Di Pumba. Monsieur, vous envoyez des chaises par là. S'ils veulent s'asseoir. Bakar. Oui. Oui. Je ne sais pas.
C'est la plaie comme ça. Voilà, M. Diakité, vous, vous restez là-bas. Ça. Mara. Ok, je vais t'amener ça. Maintenant, là, je t'amène ça. Un micro pour lui. Voilà, prenez d'abord le micro. La caméra du président, c'est tout son point. Je prends une photo du président. Je vais en avoir la table. Non, c'est bien quitté, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Marcel, venez par là. Il y avait un troisième pack, vous l'avez envoyé. Un micro pour monsieur Marcel. Prenez pour le ministère public pour le moment. Le ministère public. C'est le micro du ministère public. C'est bon? Vous voulez parler, mec? Je fais des procès au greffe. C'est pas si le tribunal a reçu concernant les causes. C'est pourquoi j'ai précisé que s'il y a des parties qui demandent à ce que des personnes soient confrontées au moment opportun, le tribunal appréciera. C'est déjà déposé. Je veux m'assurer que le tribunal a reçu. Le tribunal appréciera au moment opportun. Est-ce que le tribunal a reçu cette question? Elle est très simple. J'ai déposé au greffe. Je veux m'assurer que le tribunal, parce que ça a été communiqué aux autres parties. Mais le tribunal a répondu au moment opportun, ça sera apprécié.
cours des débats. Vous trois qui êtes à la barre avez tous évoqué la question du commandant du régime. Donc le tribunal revient sur cette question précise pour savoir à ce moment-là qui était effectivement le commandant du régime. C'est ce que je veux faire. On va commencer par M. Kamara Moussa Dadis. La question elle est précise, hein. On ne va pas trop dans les débats. Merci Monsieur le Président. Et comme je l'avais dit à l'époque, puisque les deux commandants n'étaient plus en fonction, et c'est le commandant qui assurait les fonctions de commandant de régiment. Et si je veux aussi être plus précis par rapport devant votre tribunal, vous savez, lorsque le débat a commencé, quelque chose qui n'est pas réel, on ne peut pas l'inventer. J'avais remarqué lors du passage du commandant Toumba, que je respecte beaucoup, il a dit devant votre tribunal, je crois que vous avez même une partie, une séquence même de la vidéo, où il expliquait que les éléments ne cherchant pas le rôle qu'ils assumaient, puisqu'ils étaient ne connaissait pas la fonction qu'il assumait, il a clairement dit qu'il était le commandant du régiment, mais les autres qui lui faisaient la guerre ne le savaient pas. Alors j'estime que Monsieur le Président, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant Toumba même qui a dit devant votre tribunal. Et j'estime que vous pouvez encore revoir même la vidéo. Monsieur Diakité Boubacar Ditoumba, la même question pour vous. Merci Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. À cette phase de la procédure, après des mois d'observation dans le box, en suivant les débats, ce n'est pas une nouvelle question, elle a été débattue ici, bien avant. Je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici le rappeler qu'il est question ici d'État. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies, sachant qu'une seule personne ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence
est parti à la nomination d'un ministre chargé de la sécurité présidentielle en connaissance de cause et les décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint. Et me nommant aide du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été un fait d'hasard puisque tout le monde était connu. À l'époque, les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra que qu'en vouloir à lui-même. Mais alors, pour vous, qui était le commandant? Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants, sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur le député. Et donc, il était le commandant du régiment et le général Konaté. Si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général Sékouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors pour vous, c'était M. Moussa Davis Camara, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas qu'il me montre un acte me nommant officiellement commandant du régiment, mais en attendant, j'étais l'aide de camp du président. M. Moussa Davis. Merci, M. le président. S'il vous plaît, je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment? Et commandant, c'est lorsque le président signe intéressé qui devient commandant. Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça, oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais non. Dans le cas précis, monsieur le président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes subordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Kumba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher un des nouveaux commandants du régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, monsieur le président, pendant ce temps, c'est le commandant Kumba qui gérait le régiment. Un acte prouve même, un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant. Parce que le regret des jeunes recrues de Kalea, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe. Il est parti, je crois que c'était 22 recrues, il les a sortis avec un acte authentique.
Pour vous, c'est peut-être l'affaire de lui, commandant du régiment. Mais, pour moi, puisque... C'est bon, monsieur Marcel Dilaoudi. La même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment? Merci, monsieur le président. Aidez-le avec le micro. Soulevez. Je dis merci, monsieur le président. Je renvoie l'éternel Dieu, le miséricorde, de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps pour ce jugement de 28 septembre. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le jugement. Monsieur le président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit saint dans un corps saint. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements, sinon il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous dans l'armée, on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer adjudant de bataillon, adjudant de compagnie, chef de section, ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité incombent tout simplement au président de la République et son ministre de la Défense. Alors, moi, en aucun cas, je vis un deuxième décret nommant une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui le colonel Sa Alphonse, qui était adjoint au colonel de l'épée à son âme, Aïdor. Eux, c'est le président lui-même qui les a évoqués, révoqués à leur fonction, parce qu'il fut arrêté. Est-ce que vous pouvez être bref? Je suis en train. La question est précise. C'est très précise, mais si on n'explique pas, on dit seulement tel et tel. Vous savez toutes ces explications, oui. Monsieur Marcel. L'explication, s'il vous plaît. Monsieur le président, je vous suis avec vous. S'il vous plaît. Je suis en train de donner la... Vous m'écoutez? Oui. J'ai été clair au début. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela est expliqué ici, de fond en comble, pendant des jours. Pendant des jours. C'est pourquoi c'est une question très précise qu'on vous a posée. Très précise. Donc, allez-y. S'il vous plaît, maître. Maître, restez à votre place. Restez à votre place. C'est pas le premier qu'on a demandé. Ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Aucun de vos confrères est venu chuchoter quelque chose à un de ses clients. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, alors, le tribunal vous demande de rester à votre place. Voilà. Ne commençons pas avec ça. S'il vous plaît. Pourquoi vous aimez ça? Adia, ça va? Je peux te dire bonjour. Donc, maintenant. Je disais que... Je peux te dire bonjour maintenant. Il y a eu des jours ici. Vous-même, vous avez fait deux... Vous êtes venu à la barre deux fois. Oui. Donc, plusieurs choses ont été dites à la barre de ce tribunal. C'est une question très précise qui vous a été posée. Donc, s'il vous plaît, répondez à cette question. Monsieur le Président, ce n'est pas pour discuter avec vous. Nous sommes profanes au niveau de la justice. Moi, je n'ai jamais été à la part. Je sais que
Vous allez beaucoup m'excuser le fait qu'il y a eu des tiraillements, et je ne sais pas que ce n'est pas des tiraillements aussi. Excusez-moi de cette manière. Tout simplement, le président Moussa Dadis Camara était le commandant du régiment. C'est qui m'a dit ça. Comment vous le savez que c'était lui le commandant du régiment? Je le savais parce que celui qui s'occupait de son régiment, celui qui s'occupait, Monsieur le Président, je peux donner une précision. Allez-y. Monsieur le Président, ce qu'il est en train de raconter, c'est très dangereux. Lorsqu'il dit que j'ai révoqué le commandant Alphonse de ses fonctions, et le colonel Edouard, mais c'est archi faux. Le colonel dit que c'est une grande vérité. Voilà. Dis-le que c'est une contre-vérité. Oui, c'est valable. Voilà. Camara. C'est une contre-vérité. Allez-y. Le commandant Pouma, à l'époque, c'était un homme de confiance. C'est lui, et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdor pour dire qu'Aïdor buvait, et que Aïdor faisait certaines situations qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdor a été arrêté, ça, Alphonse a été arrêté à mon insu. Donc, lorsqu'il dit que j'ai révoqué le colonel Alphonse, le colonel Alphonse est là encore vivant. Alors, le problème c'est quoi, mon commandant, monsieur le président? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte que je le dis avec Mordicus, c'est les 22 recrues, monsieur le président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal à votre conviction, je m'en mettrai à votre sagesse. Mais quelqu'un qui ne gère pas un bataillon, un régiment, ne peut pas avoir le courage, monsieur le président, d'aller dans un centre d'instruction faire prendre 22 recrues, les envoyer dans l'unité dans laquelle où il commande. Cela n'a jamais existé. Il faut avoir cette autorité. Et cette autorité, le document, preuve à suffisance. Pourquoi M. Marcel, qui parle français, pourquoi lui n'est pas parti prendre au moins 2 ou 5 recrues avec signature? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne jouait pas ce rôle. Donc, comme je l'ai dit, monsieur le Président, ce document, ce n'est pas un document inventé, c'est écrit commandant de régiment et de camp. Lorsque vous voyez même comme adresse avec le cachet. Alors si on est devant vous aujourd'hui, monsieur le Président, la vie, je crois qu'à un certain moment donné, on se doit vraiment de dire la vérité. Moi, il y a des moments, et lorsque le débat va continuer, ce qu'il n'a pas fait, j'aurai le courage de dire non. Ça, il n'a pas fait ça, mais il a fait ça. Ce document atteste. C'est un acte signé commandant de régiment et de camp. Merci, merci, monsieur Camara. Ouais. C'est compliqué. Vous voulez dire un mot là-dessus? Allez-y. Monsieur le Président, je demande au Président Dadis de prendre le courage. Il a été père de la nation, commandant en chef des forces armées. Une transition militaire. Les hommes dont tu as nommé par décret, tu as arrêté. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas pour l'islam. Ce sont tes éléments clés. Un régiment n'est pas pour n'importe qui, monsieur le Président. Un régiment, ce n'est pas un bataillon. Un régiment comporte plusieurs bataillons. À un moment, ceci par décret,
ces deux personnages, le chef et son adjoint, arrêtés. C'est une invocation. Il a révoqué. C'est ses instructions. Si on arrête un ministre, mais est-ce qu'il cesse d'être ministre? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Monsieur le Président, vous voulez dire un mot aussi, monsieur? Allumez le micro, s'il vous plaît. Je voulais un peu aborder dans le même sens. Le président, Dieu a voulu qu'il soit votre président, et c'est pas à travers ce jugement, il est toujours une personne pour nous que nous allons toujours continuer à respecter. C'est Dieu qui est à ce degré. Je voulais simplement le rappeler que moi, qui l'ai approché en tant que conseiller, moi je ne suis pas dépassé par les événements parce que je sais en quoi je suis adossé. Je savais que cela allait arriver. Que nous le jugeons ici, je voulais me rappeler. Ça serait jugé encore, c'est l'Éternel. C'est la même chose que l'Éternel a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Les chefs diront encore. Makanallana adeikum min sultani balukuntum gaumun tahi. C'est-à-dire que les gens diront, que les chefs diront. Je me répète, les chefs diront Makanallana adeikum min sultani balukuntum gaumun tahi. Cela veut dire que les chefs diront, c'est nous qui vous avons induit dans l'erreur, étant donné que nous-mêmes nous étions égarés. S'il m'a approché, je vais le dire. Ce que Dieu encore a dit, parce que je l'ai dit lors de mon passage, que moi, tout ce que je fais, c'est en connaissance de cause. Dieu a dit, c'est bon, c'est très important parce que c'est le chef. Oui, est-ce que vous partez toujours dans le même sens? Je le conseille de prendre ses responsabilités, de comprendre que ça est arrivé, il ne peut pas le nier. Marcel, je ne peux pas dire plus sur Marcel. Mais je voulais le dire, dans le temps, l'homme est dans la perdition. Sauf ceux qui endurent et croient et qui se disent la vérité dans la patience. C'est ce que Dieu a dit. Voilà ça. Il n'a dit ça, il n'a dit aussi. L'Allezina amenu, wa amenu sa liyata, wa ta sabiha, wa ta sabiha. C'est ça. Donc, Dieu, vous avez été notre chef. Perdre la nation, vraiment, ne vous rabaissez pas à ce niveau. Prenez votre responsabilité, monsieur le président. Bon. Montrez-moi un acte. Monsieur le Président, c'est bon. Je vais vous présenter un acte, si vous voulez bien. À partir de cet acte. Allez-y si vous avez un acte. Oui, l'acte que j'ai. C'est pas l'acte que le tribunal a déjà. Oui, l'acte que le tribunal a, monsieur le Président. C'est pas un acte amendé. Ça, nous l'avons déjà. Et il y a eu beaucoup de débats sur cet acte. Voilà. Non seulement cet acte. Il est allé avec l'adjudant de Pacaillon. C'est bon, si s'il s'agit de cet acte-là, il y a eu suffisamment de débats. Voilà. Cet acte, vous étiez là, vous avez suivi. Voilà, c'est à ce niveau ou non? Merci, merci, M. Kamara. Merci, M. le Président. On va maintenant parler de la garde présidentielle. M. Kamara, je commence toujours par vous. Oui, M. le Président. Qui commandait la garde présidentielle? La garde présidentielle, comme je le dis, parce que il y avait les deux éléments qui ont été arrêtés sous prétexte qu'ils voulaient faire un poste. Et donc, cette garde présidentielle, comme je le dis, monsieur le président, je n'ai aucun intérêt de mentir. La confiance que j'ai eue sur le commandant Toumba, c'est le commandant Toumba qui faisait toute la planification.
Moi, je n'étais pas là pour me planifier moi-même. Les hommes de garde qui doivent me garder, ça venait de lui. La gestion du personnel. Et aussi au niveau du salon, quand je dois sortir, c'est pas moi qui vais prendre une feuille en train de dire tel. Cette gestion est revenue à lui. Alors aujourd'hui, on est devant ce tribunal. J'estime que le commandant Koumba, comme il est en train de prêcher et de faire des versets, à un certain moment donné, il faut avoir. Vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez. Non, non. Je veux dire, puisqu'il croit en Dieu, la gestion du personnel, la garde présidentielle, mais c'est lui qui l'a sauvé. C'est lui qui coordonnait les gens de Tombo, qui coordonnait les gens de Camp Makambo, et le tribunal 36. Comment on le devient? Vous dites, monsieur, comment on devient commandant de la garde présidentielle? Commandant de la garde présidentielle, c'est une question de conscience, monsieur le président. Rien que ça. Il n'y a pas d'acte. Non, il y a un acte. Et comment ça s'appelle cet acte? L'acte, c'est l'acte qu'on signe pour nommer l'intéressé à cette fonction. Qui le fait? C'est bien moi qui pouvais le faire en ce moment. Est-ce que vous avez fait cet acte? Moi, c'est ce que je venais de dire tantôt, monsieur le président. Je dis, lorsque les deux ont été pris, le poste est resté vacant. Il était question, le ministre de la Défense et moi cherchons le remplaçant. Un acte de commandant de la garde présidentielle. Nous parlons maintenant du commandant de la garde présidentielle. Ou bien le commandant du régiment et le commandant de la garde présidentielle sont les mêmes fonctions? Est-ce que ce sont les mêmes fonctions? Le commandant, je n'avais pas un commandant de la garde présidentielle en tant que tel. Commandant de la garde présidentielle, non. J'avais seulement mon aide de camp, qui était le commandant Koumba, et cumulativement à cette fonction que je venais de parler tantôt. Laquelle? Et le régiment, qui gérait le régiment, qui coordonnait le kilomètre 36, le camp Makambo. Est-ce que vous voulez dire que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Je ne veux pas dire que le commandant du régiment est le commandant de la garde présidentielle. Alors, qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, je n'avais pas nommé un commandant de la garde présidentielle. C'est le régiment qui gérait effectivement le personnel. Est-ce que le tribunal doit comprendre alors là que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle, il gérait encore la garde présidentielle? Le tribunal doit comprendre que le régiment qui était là, celui qui gérait le régiment, c'est lui qui faisait la planification des hommes. C'est lui qui gérait encore la garde présidentielle, est-ce que c'est ça? En même temps, c'est lui qui gérait la garde présidentielle, c'est le commandant Koumba qui me gérait. C'est le commandant Koumba qui me gérait. Donc d'après vous, selon vous du moins, le commandant Aboubakar Diakité Lipumba était le commandant du régiment, en même temps le commandant de la garde présidentielle. Cumulativement à cette fonction, dès le camp en même temps. Les trois. Touristes, cumulé de fonctions. C'est ça. Ça c'est par rapport à la bon, fonction. Monsieur Camara, on a compris. Monsieur Marcel, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, Monsieur le Président, ce sont des termes militaires, commandant de compagnie, commandant de la garde présidentielle, commandant du régiment. Ce régiment était conçu seulement à la présidence. D'ailleurs,
moi je dis un soi-disant logement que le président lui-même a fondé. Il y a Tombo, il y a Kamakambo qui est appelé avant Kampundara, il y a le J, qui est le 36, il y a la case Bellevue, il y avait les hommes là-bas, et dans l'ensemble de la présidence, il y avait des compagnies. C'est l'ensemble de ceci, vu le nom, on a nommé régiment. Dans ce régiment, chacun avait sa responsabilité de commandement. Il y avait un commandant du salon. Le salon proprement dit, du président de la République. Il y avait son aide du camp qui travaille avec ce salon. C'est avec eux. Quand le président sort, c'est pas tout le monde. Ces autres, ce sont qu'on appelle la garde éloignée. Ils font partie de la garde présidentielle, mais on a besoin d'eux. C'est-à-dire qu'ils viennent lorsqu'on les dit de venir. Ils ont des points où ils doivent rendre la sécurité. Donc le commandant, la garde présidentielle n'existait pas. C'est le commandant du régiment qui existait. Ce commandant du régiment était commandé par le président de la République. À partir du moment où il vient de dire ici que les deux personnes, lorsqu'on a dit, ils ont fait coup d'état, ils ont fait coup. Il a dit si. Déjà. C'est en fonction de ça. L'instruction a été donnée de les arrêter. Ils ont cessé de fonctionner. Et le président a pris. Un lieutenant ne peut pas être commandant du régiment. Un lieutenant plein ne peut pas être commandant du régiment. Dans aucune armée, on le voit. Aucune armée ne peut prendre un sous-lieutenant, mettre commandant du régiment. Donc, d'après vous, également, le commandant du régiment était cumulé les fonctions aussi de commandant de la garde présidentielle. C'est ce que je vous ai expliqué, monsieur le président. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on doit comprendre comme ça? Vous dites. Est-ce qu'on doit comprendre que le commandant du régiment assurait cumulativement les fonctions de commandant de la garde présidentielle? Bien sûr. Monsieur Gekite, sur la même question, qui était le commandant de la garde présidentielle? Qui commandait la garde présidentielle? Par rapport à cette question, monsieur le président, je crois que Marcel a bien expliqué, le président lui-même l'a bien expliqué, donc c'était président lui-même. Ça, c'était juste pour... Je vais vous rappeler, à la prise du pouvoir, ça m'avait beaucoup touché. Je vais profiter de l'occasion de le dire. Il dit tout bas, où sont mes hommes? Si, c'est la paix. Ces hommes. Il n'a jamais voulu que quelqu'un soit en contact direct. Ça, c'était pour... Voilà. En connaissance de cause, voilà pour lui donc, il était le commandant cumulativement. Cumulativement, nous, si il montre ici un décret, puisque rien ne l'empêchait de le faire, il avait le plein pouvoir, ça, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. S'il ne l'a pas fait, franchement, c'est lui qui aurait entraîné toute cette pagaille, puisque ici à la barre, même le commandant du salon, j'ai compris, ça m'a touché lorsqu'il disait, d'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commandait pas. Tout a été planifié par le président. J'ai dit, mais quand est-ce lui, il a passé comme ça? D'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commandait pas. Tout a été pour
pour opposer les gens. Merci. Donc le président cumulait tout, il contrôlait tout. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, j'ai quelque chose à dire, monsieur le président. Allez-y. J'estime que il faut avoir juste de la foi et dire la vérité. Par rapport au régime, comme je vous l'ai dit, monsieur le président, oui, il vient effectivement de revenir sur la question par rapport au commandant de régime. J'ai dit non, j'ai dit celui qui était le commandant du régiment, c'était il, c'était un commandant de fonction. Et vous allez peut-être être étonné, mais ce prérogatif, c'est par rapport à la conscience, monsieur le président. Lorsque ces deux éléments n'étaient plus là officiellement, la question qui se pose, et peut-être que je n'ai pas la prétention de dire que le tribunal peut poser la question à commandant M. Koumba, qu'est-ce qui l'aurait poussé que tout n'est pas commandant de régiment à aller faire sortir 22 recrues qui n'ont pas encore fini leur formation? Cette question, s'il la répond, j'estime qu'on va évoluer. Alors donc, monsieur le président, à des moments donné, il faut avoir le courage, la fonction que vous avez assumée, de nous dire, un président n'est pas là qui fait sa propre planification. Quand tu dois sortir, c'est ce cumul de fonction par conscience. Je n'ai même pas pensé à un problème de droit, non, monsieur le président. Il faut que je sois sincère avec vous. Dire que non, il faut prendre un colonel, il faut prendre un général. Non, monsieur le président, la confiance que j'avais en ce temps, à monsieur Koumba, suffisait à suffisance pour que je lui donne ce plein pouvoir. Monsieur Galité, quand le président devait sortir, qui était chargé de coordonner ses sorties, ainsi que les hommes qui doivent l'accompagner? La question a été débattue ici pendant longtemps. Mais oui. Le tribunal revient dessus. Disons, comme ça a été acquis au débat ici, que je pouvais sortir de chercher le commandant du salon la plupart du temps. Organisait la sortie et le commandant d'opération, Makambo. Si je suis appelé par le président, parfois il arrivait qu'il le fasse juste ça, c'est pour venir me dire Koumba, voilà, après ton nom pour tel point à tel point. Et je donnais l'instruction au commandant de salon de mettre le convoi en marche. Et si je ne suis pas consulté, c'est moi qui l'ai cherché parce que mes fonctions me permettaient en tant qu'aide de camp. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me rappelle quel rôle j'avais à côté de lui en tant que son sergent de sécurité, rapproché et de protection et conseiller et confident. Donc je sortais le chercher en attendant qu'il prenne un acte me révoquant de mes fonctions. Mais on ne me rappelle pas, je connaissais mes attributions. Est-ce donc on peut comprendre par là que vous compreniez sa sortie? Non, pas, on ne peut pas le dire parce que ça a été acquis ici. Est-ce que les hommes qui étaient proches de lui, c'est-à-dire sa garde très proche, sa garde rapprochée, étaient gérés par vous? Oui. En quelques temps. Oh, oui, pendant quelques temps, la plupart des cas. Est-ce que ça faisait partie de vos prérogatives? Voilà, ça faisait partie de mes prérogatives. Je viens, monsieur le président. Il a été acquis au départ. Moi, connaissant mes attributions. C'est pourquoi, lorsque je fus appelé le petit matin, réveillé par Marcel, ça c'est acquis, qu'en aucun cas, j'étais associé
avec eux bien avant et le même jour. Je viens. C'est pourquoi, connaissant mes attributions, conseiller, malgré son état d'âme et son tempérament qui est connu de tout le monde, j'étais le seul à le dire que personne ne sort. Et je suis parti. Ce qui supposait relever de mon commandement le salon, je les ai dit, et de ne pas le laisser sortir, et ça a été confirmé ici. C'est bon. Voilà. Output. Je n'ai pas autorisé. Audio. On va revenir sur. Vous avez dit, monsieur le député, le jour de ces événements, c'est-à-dire le matin du 28 septembre 2009, que vous avez été appelé par monsieur Moussa Dadis Camara, alors président de la transition, et vous l'avez entendu dire. Le pouvoir est à terre, ils vont le regretter. Allez les marquer. Est-ce que vous le confirmez? Oui, monsieur le président. Est-ce que vous confirmez que monsieur Marcel était là? Monsieur Marcel était là, puisque c'est Marcel qui était parti. C'est bon, c'est bon. Monsieur Marcel, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces propos? Selon monsieur Aboubakar, qui était maintenu par monsieur Moussa Camara le matin du 28 septembre 2009. Oh, vous dites qu'il n'y a pas trop de commentaires. Je confirme. C'est moi-même qui suis parti. J'ai mon ami Toumba. Input 3. Il me dit, ah, déjà, j'ai trouvé le président. Moi, c'est que j'ai fait un accident. Je ne peux pas le mettre à l'occasion. Il faut comprendre. Arrivé, c'est ses propos. C'est dans Output que je vois. On a entendu et j'étais là. Monsieur Camara. Oui, monsieur le Père, je pense qu'il y a eu une contradiction très flagrante par rapport aux déclarations que vous venez bel et bien de poser. Si j'ai bonne souvenance, monsieur le Père, j'estime, ce qui me plaît aussi au tribunal, c'est une expression, quand je parle de la mémoire, une mémoire d'éléphant, une personne qui n'oublie pas, même une évolue. Vous venez de toucher un point très important. Quand monsieur Toumba a passé devant vous, monsieur le président, il a été en disant chaque maire que le pouvoir est à terre, il faut aller le mater, que c'était mon aide, le commandant du salon. Est-ce que tu étais à côté de lui? Si je prends le souvenir. Tu es connecté? Il n'a pas parlé, ce jour. Il y a audio de chez Marcel. Et moi, sur le commandant, est-ce que quand il est venu ici, il a été très prêt. Il a dit que les allégations, la déclaration de M. Toumba, que lui, il n'a pas entendu. Et que pour lui, Toumba et moi, étions dans mon bureau, que lui n'a pas entendu. Alors, monsieur le président a dit que sa position ne lui permettait pas d'entendre ce qui se disait dans la chambre. Parfait, monsieur le président. Et lorsque monsieur Marcel affirme gratuitement, alors que lui-même, dans sa déclaration, il n'a pas dit ça dans le primitif de sa déclaration, oui. Monsieur le président. Il disait qu'il est venu, et quand il est venu, et voilà, il m'a mis dans un état, il est allé appeler le commandant Toumba. Si moi, externe, il confirme quelle preuve il a, au moment qu'il n'a pas de primitif. J'estime que monsieur le président ne s'en pas devant votre tribunal pour essayer de tourner autour du point. Je dis simplement que par rapport à cette affirmation, le commandant du salon a été très clair. C'est l'homme qui était d'ailleurs attendu par votre tribunal. Est-ce pas toi? Par le procureur même. Il a été très clair ici. Est-ce que vous avez dit cela? Je n'ai jamais dit ça. C'est bon. Posez, mon nom. Allez-y, si vous voulez dire quelque chose. Oh, oui. 28 septembre. Merci, monsieur le président.
c'est que je ne sais pas pourquoi on cherche à changer le propos des uns aux autres en leur présence par le président. Moi, j'étais clair, j'ai bonne souvenance. C'est-à-dire, je ne crois pas pourquoi même, c'est-à-dire, il s'est tiraillé. Mais puisque c'est ce qu'il a préféré, il n'y a pas de problème. Que c'est pas, qu'il n'y a pas un bon sens. J'ai voulu me rappeler et je persiste là-dessus. Eux, nous sommes venus de l'abbé. Et nous sommes arrivés ici, je le rappelle, à 5h du matin, le 27. Il n'a jamais voulu reconnaître. Il a dit qu'on est rentré ici le 27 à 0h. Je me pose la question, pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Ça, c'est vrai. Deuxièmement, j'ai dit que ce jour, le 27, le 28 septembre, il y a eu deux groupes d'abord, le petit matin. Pour un premier temps, moi, je ne savais rien de tout ce qui s'est passé, je dormais. J'ai vu les Georges, les Théodore, qui étaient venus d'abord m'opportuner dans mon lit, dans ma chambre. C'est là que j'ai compris que ça n'allait pas, c'est par eux, j'ai entendu que ça n'allait pas en ville. Et de par ma fenêtre, qui aboutissait directement sur la route Le Prince, j'observais même la foule. J'étais assis dans mon lit et j'ai dit, c'est là-bas, j'ai entendu Georges téléphoner qu'il a même envoyé les gens infiltrés. Et que je leur dis que personne ne sort ici. Et ça s'est passé d'abord entre moi et eux. Marcel n'était pas présent. C'est lorsque ce groupe-là est ressorti mécontent, ils sont partis. En tout cas, là-bas, j'ai vu Marcel revenir maintenant, me trouver dans ma chambre pour me dire, effectivement, il avait sa langue cousue, suturée, et pour me dire que difficilement que le président est dans tout son état, qu'il m'appelle. C'est en ce moment que je suis sorti avec Marcel. Nous sommes venus traverser le salon où le commandant du salon était. Il parle de bureau, moi je ne parle pas de bureau. Cela s'est passé dans sa chambre. Il faut que ça soit clair. L'état dans lequel je l'ai trouvé dans la chambre, Makambo était présent, Jose était présent, Thomas était présent. Et tant d'autres étaient présents, Marcel était venu avec moi. L'état d'âme dans lequel je le trouve, qui se rappelle. C'est là même, c'est-à-dire, c'est pourquoi moi je ne suis pas impéri. Lorsque nous sommes à côté d'un chef par confiance, comme il le dit, l'état d'âme dans lequel je l'ai trouvé dans la chambre, c'est en ce moment, puisque ça a été ici, je vais se résumer. C'est là que je l'ai trouvé en tout état. Il était en train de vaciller pour chercher à s'habiller devant les gens en fétiche pour dire le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut le mater. J'ai dit non. C'est moi qui ai. J'ai dit le contre-forme, autrement, j'ai dit non. Mais il ne m'écouterait, j'ai dit personne ne sort. Comme je l'ai dit, ça veut dire que vous étiez, monsieur Marcel était là. Marcel était présent. C'était pas c'est bon. Le commandant du salon. C'est bon, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de ça, monsieur Camara? Non, monsieur le président, j'estime bien que les déclarations ont varié. Parce que le primitif de sa déclaration, il n'a pas parlé de Marcel. Il a pris témoin oculaire le commandant du salon, qui est venu devant votre auguste tribunal, monsieur le président. Si ce dernier disait, affirmait catégoriquement que oui,
Monsieur Moussa Dadis Camara aurait dit que le pouvoir est à terre, mais je n'aurais pas eu d'argument devant vous, monsieur le président. De toute façon, tout le monde peut consulter les anciennes déclarations. Voilà, donc, c'est ça, monsieur le président, c'est des variations. Est-ce que monsieur Marcel a quelque chose à dire là-dessus ou bien on passe? Je ne sais pas pourquoi ce tiraillement. Le président Dadis n'a qu'à savoir que tous connaissent son tempérament. Et lui-même, dans ses déclarations, peut-être de l'avenir, il dit allons-y, ils vont nous tuer tous. Ils sont des propos. Il a dit le colonel de Salon est venu, il l'a confirmé. C'est pour vous dire qu'on ne lui pas de contre-vérité contre lui. C'est notre président, mais qui prend sa responsabilité. On ne peut pas venir inventer cela. Monsieur le président, c'est tout ce que je peux ajouter. Monsieur le président, je veux simplement que M. Marcel reste dans le cadre. Je l'ai très très clair, monsieur le président, on reste dans le cadre, on n'a plus besoin de divaguer. La question est précise. Est-ce que, monsieur Camara, à un moment donné, vous étiez avec Pumba? C'est là où je dis qu'il y a une variation au primitif. Sinon, c'est lui qui aurait témoigné. C'est bon, c'est bon. Monsieur le président, vous ils peuvent vérifier. Je l'ai dit, c'est après le salon, après la chambre. À la sortie, j'ai croisé le commandant du salon dans le salon et je l'ai instruit. C'est bon. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde peut avoir accès aux anciennes déclarations pour pouvoir les vérifier. Et il avait, monsieur le président, avec votre permission, il avait pris le commandant Condé, Escobar. Comme son témoin populaire. Monsieur Escobar a été cité ici par le ministère public. Effectivement, il a passé devant votre tribunal. Pas devant votre tribunal. C'est bon, monsieur Camara. C'est bon. C'est ici. Voilà, le tribunal va se limiter là pour le moment. Est-ce que le ministère public a un autre point de contradiction? Je dis bien point de contradiction. Oui, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, honorable. Si ce n'est pas un véritable point de contradiction, le tribunal retire. Ça, oui. Je vous informe dès maintenant. Il n'y a pas de problème, monsieur le président. Monsieur le président, le parquet voudrait poser une question par rapport à un point de contradiction. C'est par rapport à la préparation des événements du 28 septembre. On veut savoir, monsieur, je pose la question à monsieur Dadis Camara. Oui, monsieur le procureur. Dans le débat, il a été dit. Oui. Que des recrues de Kalea. Oui. Se sont retrouvées au camp Alfaya également. Oui. Bien avant les événements du 28 septembre. Oui. Et un jour, colonel Claude Bibi a fait présenter ces éléments. Ils ont même fait quelques démonstrations en votre présence. Mm-hmm. Oui. On voudrait savoir si ces déclarations ont été tenues par le commandant Toumba. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de ces déclarations-là? Qu'est-ce que vous dites? Ces déclarations, je trouve que c'est des allégations. C'est des allégations. Lui-même, il a dit ici qu'il n'a jamais été associé à une préparation qui qu'elle soit pour les événements du 28 septembre. Alors, lorsque cette question surgit, c'est sa déclaration, monsieur le procureur. Et vous savez, quand on est devant un tribunal,
chacun donne ses idées. C'est au tribunal de faire la part des choses. C'est ça, c'est son point de vue. Moi, je n'étais pas avec lui. C'est lui qui a observé. Ça n'engage que lui. C'est bon. Est-ce que ces personnes ont fait une démonstration où vous étiez présent? Non, monsieur le procureur, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, dans un débat de ce genre, tout le monde peut avancer des idées. Mais aucune démonstration n'a été faite devant moi. C'est bon. Cette question, monsieur le commandant Diakité. Merci, monsieur le procureur. Oh, par rapport à la présence des groupes d'éléments à la présidence, relativement au ministre chargé de la sécurité présidentielle, j'avais parlé de la présence des civils pratiquants d'arts martiaux qu'ils formaient bien avant. Ceux-ci ont fait procéder à une démonstration puisqu'ils étaient directement entretenus par le président. Voilà. Et maintenant, concernant ceux qui étaient venus dans l'intervalle 20 jusqu'à 26 en provenance de Kalea, voilà, et j'ai parlé ceux qui entretaient, ceux qui perdent de ceci également, les Macambo, les Théodore, les Gono Sangaré, j'ai parlé de ceux-ci qui habitaient en face de mon bâtiment. Donc, ceux-ci presque ne relevaient pas de grand coup. Mais les pratiquants quand même relevaient de grand coup, puisque j'ai parlé d'eux de ces élèves qui s'occupaient de ceux-ci à l'époque, un certain Bamba et un certain Abulaye. Donc, c'était par rapport à ça. Dans tous les cas, je vois la volonté du président à tout rejeter, mais c'est pas mal. C'est acquis au débat, puisque moi je l'ai évoqué, d'autres sont venus également le confirmer ici. Donc il n'y a aucun doute que, effectivement, il y avait des éléments à la présence. Ça, j'insiste et je persiste. C'est bon, là, merci. Et le deuxième point, par rapport à la sortie du président Dadis, vous avez cette question d'abord au commandant Toumba. Vous avez déclaré ici que vous êtes allé au stade dans le souci de chercher le président de la République qui était sorti. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Alors, nous voulons savoir, est-ce que vous confirmez que vous étiez venu trouver que le président n'était pas, et c'est ce qui vous a conduit à sortir pour aller au stade? Bon, pas soi-disant venu directement chez lui. Je ne l'ai jamais dit. Comme d'habitude, je sais dans quel état je l'ai laissé chez lui. Et vous allez remarquer que je disais dans ma tête, comme les autres fois, j'ai l'habitude de le chercher, ça a été acquis au débat ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je n'avais jamais imaginé que il n'était pas sorti. C'est après toute ma tournée, je ne l'ai pas vu, et puis je suis revenu. Et moi, c'est ici que j'ai appris qu'il était sorti maintenant. Et d'autres ont dit qu'ils l'ont vu même sortir. Mais moi, je sais. Celui qui est venu m'informer, vous avez compris, quelqu'un qui l'a laissé en train de s'embarquer bien avant que le commandant du salon ne vienne retirer le clé et essuyer des paires de gifles. Vous voyez ce que ça caractérise, l'état d'âme. Alors, de la personne. On peut comprendre que vous n'avez pas ce jour-là la rassurance que le président était sorti. Non, j'avais la rassurance, c'est sinon je n'allais pas sortir. Non, c'est comme les autres fois. Je l'ai plusieurs fois rejoint. Donc j'avais l'assurance effective. D'ailleurs, il n'était plus dans la maison. Il était dans son véhicule avant qu'on ne vienne m'informer. Ça a été acquis au débat.
Donc, selon vous, il était sorti. Il était sorti. Selon moi. Ouais. Monsieur Camara, cette question à vous. Ouais, est-ce que vous étiez effectivement sorti ce jour? Monsieur le procureur, le témoin oculaire, le commandant Condé, a été très clair devant votre auguste tribunal. Et comme le président venait de dire, on n'a plus besoin de faire autre débat. Ce ne sont que des points de précision. Et monsieur le procureur, juste même si on n'a pas fait le droit, lorsqu'un chef d'État, vous venez vous-même, vous le dites au commandant de salon de ne pas le laisser sortir, faute de quoi il aura affaire avec vous. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes à quelques 5, 10 mètres du président de la République. Qu'est-ce qui va vous pousser à écouter ou à dire que c'est quelqu'un qui vous a dit ne pas venir, l'homme que vous l'avez dit de rester, venir voir si effectivement le président est là ou si le président n'est pas là. Il ne l'a pas fait. Il dit qu'il est allé me chercher. À ce niveau, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre cette position. Et monsieur le procureur, si l'aide de camp, non, je m'excuse de l'expression, le commandant de salon, il est passé devant vous ici. Si j'étais sorti, monsieur le procureur, il allait être clair avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour juste me charger. Et ça a été juste quelque chose qui a été inventé. Et inventer, dire qu'il est sorti. Sortir avec qui? Moi, je me focalise au niveau du commandant du salon. Parce c'est que bon, c'est bon. Donc, vous n'étiez pas sorti? Je ne suis pas sorti. Et monsieur le procureur, je ne suis pas sorti aujourd'hui, je ne suis pas sorti demain. Troisième point pour finir. Cette question est relative à la présence de Marcel Guilavogui, selon les déclarations de commandant Toumba. Commandant Toumba, vous avez déclaré ici que le jour du 28 septembre, quand vous avez pris le départ du camp Al-Faya Yalo, vous avez pris la route jusqu'au niveau de Madina. Arrivé à Madina, que vous avez trouvé la première équipe qui était dirigée par Marcel Guilavogui. Marcel était avec ses hommes. Est-ce que vous le confirmez? Bon, moi en toute sincérité, monsieur le procureur, concernant Marcel, moi lors de ma première comparution, j'ai dit tout au tribunal. Et Marcel était revenu également ici pour une deuxième fois confirmer tout ce que Toumba avait dit. Sincèrement, je voudrais qu'on s'en tienne à est-ce ma que première déclaration. Est-ce que vous confirmez spécialement ce qui vient d'être dit par M. le procureur? Je l'ai dit, c'est ça. Donc, je ne reviendrai plus par rapport à quoi que ce soit entre moi et Marcel, parce que Marcel est venu enlever le péché entre moi et lui en disant exactement ce qui était au stade. Donc, je n'ai rien à discuter avec Marcel. Monsieur Marcel, oui. Vous avez suivi avec intérêt la réponse de commandant Toumba par rapport à votre présence au niveau de Madina, avec vos hommes. Merci, monsieur. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, ma réaction n'est que, vous savez, le jugement est très complexe. Toumba avait dit qu'il m'avait vu à Madina sur le pont.
Bon, je ne peux pas lui dire ce qu'il entend de dire que c'est vrai, c'est faux. Mais, monsieur le président, moi, je n'étais pas à Madina avec une troupe. Je ne suis pas un commandant d'unité ni un chef de section. Je ne suis pas en mesure aussi d'équiper des gens et carburer, mettre des cortèges. Si Toumba avait vu Marcel sur le pont, je pense bien, j'avais bien expliqué cela, il allait m'appeler. Il n'y a pas d'antécédent entre moi et lui. Il peut voir une personne, il croit quand que c'est Marcel, mais ce n'était pas moi. Je crois bien, j'ai beaucoup détaillé ça. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur, à la suite de mon éminent collègue, j'ai trois petites choses à demander. Et la première, monsieur Dadis. Oui, monsieur le procureur. Vous aviez dit que le commandant Toumba était le commandant du régiment. Oui. Qui était son adjoint? Celui que tout le monde appelait couramment adjoint. Tout le monde appelait couramment que Marcel était son adjoint, mais dans les actes, tout ce que je sais, moi, mon homme de confiance, tout ce que je sais, c'était le commandant Toumba qui assurait le régiment. Il veut savoir qui était son adjoint. Bon, son adjoint, là, c'est lui seul qui sait qui était son adjoint. C'est lui seul qui sait qui était son adjoint. Vous ne saviez pas? Non, moi je dis que mon homme de confiance, l'homme à qui j'avais confiance, c'était le commandant Toumba. Et ça, je le dis avec mordicus. Maintenant, s'il avait des adjoints, il est la seule personne à dire que c'est elle qui était mon adjoint. Pourtant, vous venez de parler de M. Marcel. Oui, c'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient parce qu'on était... Chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Oh, bon... C'est au tribunal d'apprécier, monsieur le président. C'est au tribunal. Est-ce que monsieur Marcel était son adjoint? Les deux sont là, monsieur le président. Les deux sont là. Je pense que la confrontation... Vous étiez le président. Est-ce que monsieur Marcel était son adjoint? Tout ce que je sais, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce que c'était son adjoint, monsieur Camara? Son adjoint, bon... Il était très proche de lui et vraiment... Allez-y, continue. C'est ça, monsieur le président. Ouais. C'est bon. Parce que je peux dire que oui, il était son adjoint. Les deux peuvent dire que non, c'est pas ça. C'est à eux de voir. C'est le tribunal qui est là. Ce ne sont que des affirmations qu'on donne, mais le tribunal est censé bien placer. Effectivement. Vous savez, monsieur Camara, le tribunal est dirigé par des hommes qui n'étaient pas là. Ouais. Au moment où vous exerciez ce pouvoir, vous étiez là. Vous observiez tout. Vous étiez le président à l'époque. Vous étiez là. Hein. Oui, monsieur tout s'est passé devant vous. Oui, effectivement. Marcel. Donc, vous ne devez pas employer des apps, s'il vous plaît. Vous ne devez pas employer des à peu près, des approximations. Vous ne devez pas le faire. Ouais. Parce que vous étiez là. Vous étiez à l'époque le président de la transition. Ouais. Je peux et, s'il vous plaît, on est en train de parler des hommes qui étaient très proches de vous. Ouais. Très, très proches même de vous. Donc, si vous-même vous dites que c'est le tribunal qui doit le faire, le tribunal ne juge que ce que vous nous dites ici. Le tribunal n'invente rien. D'accord, monsieur le président. Le tribunal ne va pas chercher ces éléments ailleurs. Certes, le tribunal a le dernier mot. Mais le tribunal ne va pas prendre ces éléments ailleurs.
À ce que je sache. C'est pourquoi vous devez aider ce tribunal. À ce que je sache. Vous devez l'aider, hein. À ce que je sache, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce qu'il était son adjoint? Oui, il était son adjoint. Continuez, monsieur. Bien. Il peut merci. Maintenant dire. Il peut maintenant c'est dire bon, le s'il vous plaît, c'est bon. Les deux faisaient tout ensemble, ça c'est tout. C'est il tout vous faut, il vous faut, il vous faut beaucoup de temps, beaucoup de, oui. de minutes, beaucoup de tournures pour le dire, oui. monsieur Camara. Oui, parce que bon. Pourquoi, monsieur le président, j'ai... C'est bon, c'est bon. C'était monsieur pas... le procureur, vous pouvez continuer. On va avancer. Merci, monsieur le président. La deuxième chose, monsieur Camara. Oui. Commandant Toumba, en sa qualité de commandant du régiment, est-ce qu'il vous rendait compte de toutes les activités menées au sein du régiment? Non. Et moi, la seule chose que j'avais besoin, c'est quand je sortais, il venait faire la planification et puis il était avec moi. Et parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle, revue de troupes, la revue de troupes. Il organisait le rassemblement, je venais, je saluais la troupe et je rentrais. Mais me dire faire un compte-rendu à tout point de vue, non. Et puisque également c'est lui qui coordonnait toutes les activités des différentes unités de la garde présidentielle. Oui. Est-ce qu'en cette qualité également, il vous rendait compte de tout ce qui se passait? Non. La preuve en est que les hommes qui étaient à ces différents points, c'était uniquement que ces hommes. Il ne vous rendait pas compte du tout. Non, il ne me rendait pas compte. Et puisque je ne trouvais pas aussi d'objection, je ne trouvais pas aussi des problèmes sur lesquels je pouvais me fonder pour dire que ça ne va pas, que ça ne va pas. Non. Donc vous avez accepté qu'il travaille avec les hommes sans vous rendre compte. Vous avez accepté cela quand même. Non, le travail, c'est que quand il n'y a pas de problème, et on ne peut pas dire aux subordonnés de faire un compte-rendu. C'est quand ça ne va pas que vous demandez le subordonné qu'il y a ça, qu'il y a ça. Donne-moi des éléments. Mais si tout va bien dans le cadre normal, vous n'en avez pas besoin, monsieur le procureur. Merci. La troisième et dernière question, monsieur le président, c'est à monsieur Toumba. Voilà. Monsieur Toumba, vous étiez le commandant... Selon le président Dadis. Monsieur le procureur, on remarque que vous n'avez pas demandé aux autres hein, sur votre premier point. C'est d'accord. Une confrontation. D'accord. Allez-y, monsieur Toumba, par rapport à tout ce que nous avons posé comme question à monsieur Dadis. Merci, monsieur le procureur. Précisément, est-ce que monsieur Marcel était votre adjoint? Non, c'est ce que j'ai dit à l'entame. C'est que c'est purement... administratif et il n'y a aucun acte puisque c'est le président qui prend des décrets. Moi, tout ce débat, je l'ai dit déjà, mais je vais encore le revenir que si le président doit en vouloir à qui que ce soit, puisque lui, rien ne l'empêchait, qu'il n'a qu'à s'en vouloir lui-même. Parce que rien ne l'empêchait de prendre un décret. Ça, je voulais le rappeler. C'est les mêmes choses qui arrivera également sur le maître suprême des juges, je le rappelle. Dire, il dira que lui n'a jamais instruit quelqu'un à faire quelque chose. Il dit Kalu Ballam Takuno Momini. Monsieur Diakité. Donc je l'ai dit. Excusez, c'est ça. Je vois que ça fait mal quand vous citez des versets, ça fait mal à M. Camara. Voilà. Donc si vous pouvez interpréter directement. C'est ça ce que j'ai dit. C'est voilà. L'interprétation, j'ai dit, les chefs diront ce jour que nous ne vous avons pas instruit. De le faire parce que vous ne croyez pas. C'est ce qu'ils diront. C'est le même verbe. Est-ce que M. Marcel était votre adjoint? Non.
La question est répondue. Non. Et puis, bon, et monsieur le président, une précision. C'est bon. Je voulais juste. S'il vous plaît, éclairer s'il vous plaît, je pense que la question c'est pour monsieur Marcel aussi. Non, puisque vous avez dit que lorsqu'il. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Bien. Pour, sur l'autre volet de mes deux questions, monsieur Toumba, est-ce que vous rendez compte régulièrement au président Dadis? Oh, il a déjà précisé que circonstanciellement, lorsqu'il me commettait à une tasse, comme quoi j'ai besoin de m'adresser à la troupe, et ça, je m'adressais à la structure qui s'occupait directement à la base, à la troupe. J'ai dit, rassemblez vos hommes, le président doit s'adresser à vous. Ou comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de contradiction lorsque, quelques rares fois, il a besoin de faire un mouvement. Il me fait signe, Toumba, voilà, comme ça, ça c'est quelques rares. Sinon, ça ne relevait pas de mes fonctions. Donc, c'est lorsque vous commettez à des tâches que vous lui rendiez compte. Merci. Merci bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez effectivement l'adjoint de monsieur Toumba? Monsieur le procureur, merci. Je voulais dire seulement au président Dadis, il ne faut pas qu'il pêche contre moi. Je voulais rappeler ici que nous avons fait un test pour les cours d'officier pour l'Union soviétique, dont je fus le premier. Tout était prêt. Et là, j'ai opté ça pendant le temps du feu général Lansana Conté, paix à son âme. La prise du pouvoir, quelques semaines, on devait s'y rendre à l'Union soviétique. C'est le président lui-même qui a bloqué mon passeport dans son bureau, devant le ministre de la Défense. Marcel, tu ne bouges pas. Tu as œuvré pour ce pouvoir. Le général Sékouba Konaté, c'est un grand. Il était là. Ce jour, petit, si tu ne fais pas attention, d'ailleurs, même les 15 autres, là, on va annuler. Soyez bref, monsieur Marcel. Je suis bref. C'est quelque chose de très, très important. Monsieur le président, qu'est-ce qui le poussait, après avoir retiré mon passeport, après avoir me dussiadé, étant en veste pour le voyage, le même jour, de me nommer à un poste? Monsieur le président, vous l'avez posé la question. Tout de suite, 10 ans, est-ce que Marcel est adjoint à Toumba? Il a tâtonné. 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 Les gens le disaient, il a tâtonné. Quelqu'un qui a dirigé l'État ne tâtonne pas. Quand il y a des questions précises, monsieur le président, moi je n'étais pas adjoint à quelqu'un. Si j'étais adjoint à Toumba, j'allais assumer ici, oui, j'étais adjoint à Toumba, parce que je suis un militaire. Quand je meurs, on met le drapeau sur moi, le rouge, jaune, vert. Mais aucun acte n'a été posé. Marcel n'a posé aucun acte d'adjoint. C'est bon. Ok, une précision, monsieur le président. Attendez, monsieur Camara, attendez d'abord. Attendez. Hein. Allez-y, monsieur le procureur. La dernière question, c'est à monsieur Toumba. Et est-ce que le président Dadis était informé de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? Ça, c'est un peu difficile de dire s'il était, mais le pouvoir, c'est l'information. C'est ça le pouvoir. Les grandes oreilles, s'ils n'ont pas de pouvoir. Puisqu'il y a tous les mécanismes par rapport à ça pour être informé. C'est ça le pouvoir. Oui, puisque vous étiez avec lui, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il était au courant de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? Du territoire national. Est-ce qu'il était au courant?
du territoire national, je parle en connaissance de cause, le fonctionnement, ça c'est autre chose, ça c'est le commandement, je connais le mécanisme, 24 heures sur 24 heures. Oui, et singulièrement au niveau des c'est unités. C'est de ça je dis, c'est le président de la République, commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est-à-dire que lorsque, voilà, ça c'est un peu dans le secret militaire, je ne vais pas dire, puisque ça y va dans la sécurité nationale. Comment le pays est géré sur le plan militaire. Comment les commandants de région fonctionnent. Comment les commandants des groupements de gendarmerie fonctionnent. Sur l'étendue du territoire national, 24 heures sur 24 heures, l'état-major remonte directement les mots de passe. Chaque 18 heures, toutes les garnisons de l'étendue du territoire national ont leurs mots de passe spécifiques. Renouvelés chaque jour. Ce n'est pas les mêmes. Et le compte rendu est remonté parce que le président de la République doit se rassurer. 24 heures sur 24 heures sur l'étendue du territoire, sur le téléphone, comment là-bas fonctionne. Les gouverneurs, comment les populations ont dormi. Et il a tous les renseignements. Informels et formels. C'est-à-dire, je parle le système, les mécanismes de fonctionnement d'un État. Ce n'est pas comme ça, comme on le pense. C'est très complexe, mais le président a toute la situation, c'est ce qui lui permet de dormir. C'est ce qui le rassure de son pouvoir. Donc si un président de la République le dit, que c'est comme ça, Marcel l'a dit, tâtonner, nous le savons. Et vous voyez, nous le savons entre nous, c'est quoi le pouvoir central. C'est non. Pour cela que ça nous fait très mal, c'est-à-dire lorsqu'il pense... se rabaisser jusqu'à ce qu'on ne faut même pas qu'il croit qu'on acceptera ça de passer. Nous le savons. Qu'ils veulent qu'ils se maintiennent en haut là-bas, mais ils fuient père de la nation. Il faut qu'ils comprennent ça. Moi, j'ai joué toujours mon rôle à côté de lui, vous comprendrez. Au moment où il était dans tout son état, j'ai dit non, ça c'est pas bon. Ici encore, je viens, je vois, j'ai dit non. Viens faire ça, ne le conseillez pas dans ça. Moi, c'est mon rôle de conseiller. À côté de lui, moi, je joue. Pour ne pas que, ça se gâte. C'est dans ça. S'ils veulent maintenant, les conseils prennent ça. Et tu vois, comme, une attaque. Non, mais moi, c'était ma fonction. Je suis à côté de lui. Comme il a dit, homme de confiance, le conseiller dans le bon sens. Et je le ferai. Et ceci, c'était à refaire. Le dire ne sort pas, ne sortez pas. Et ici, viens demander pardon à ton peuple, je le referai et je dirai, j'ai bien fait, je le répéterai. C'est bon. Bien. Donc, si on vous comprend, monsieur Toumba, le président Dadis était censé être informé de tout ce qui se passait, aussi bien sur le territoire national qu'au sein des différentes unités de la garde présidentielle, n'est-ce pas? Oui, je le dis. Merci bien. Je pense que c'est ça. Monsieur Camara, la même question. Voilà. Est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait au sein des différentes unités de la garde présidentielle? Monsieur le procureur, vous n'êtes pas sans savoir. Aucun être humain sur Terre, même les pharaons, depuis l'Égypte antique, les Khéops, les Khéphrènes, n'étaient pas informés de tout ce qui se passait dans leur royaume. Aucun être humain ne peut être informé. Autrement, il n'aurait pas eu, je m'excuse de l'expression, il n'aurait pas eu des postes. On n'aurait pas trahi des présidents. Ça, c'est naturel. Même étant dans cette salle, quelles que soient les fonctions que chaque personne a, même dans son service, on ne peut pas être informé de tout. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'il parle de tâtonnement, vous savez, monsieur le président, on est devant vous, c'est des précisions. Lorsque il y a une certaine complicité entre deux hommes, je veux parler de Marcel et de Toumba, je le savais. Puisque le thème, en disant adjoint, même dans le PV primitif, le PV primitif de M. Toumba,
Il a reconnu. Il a reconnu. J'ai encore le PV et j'estime que monsieur le procureur, monsieur le président, après, si vous allez essayer de voir la question par rapport à la question du procureur, Touma dans son PV, on lui a demandé. Il a dit qu'il était le commandant du régiment et que Marcel était son adjoint. Ça, c'est bien avant que nous soyons devant votre auguste tribunal. Si aujourd'hui, les deux se rétractent, alors je m'y attendais à ça. Sinon, ce n'est pas une question de doute. D'accord. Et si donc, on peut vous résumer, oui. Vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités, n'est-ce pas? Monsieur le procureur. Vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités. Je ne pouvais pas être au courant de tout ce qui se passait au sein des unités. Maintenant, est-ce que de temps en temps, au moins, on vous remontait des informations? Comme je l'ai dit, si il y avait des problèmes qu'on m'informait, c'est là où j'appelais Touma pour lui demander. Mais si tout allait bien, monsieur le procureur, je n'avais pas besoin de le coincer parce que il faut demander à une personne lorsque ça ne va pas. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au sein des unités de la garde présidentielle? Bon, comme je n'étais pas dans le service de commandement de l'armée, mais quand le président Dadis parle ainsi, je me dis alors qu'on s'est trompé, parce que c'est la confiance de la troupe qui l'a nommé président de la République. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais Dieu passe par des individus pour donner la force à ceux-ci, afin que ses œuvres se manifestent. Dieu lui-même ne descend pas. Mais si ces hommes ont porté confiance en toi, vous êtes devenu président de la République. Quand on dit président de la République, mais c'est pas même un chef de quartier. Si le chef de quartier dit qu'il n'est pas informé de ce qui se passe dans le quartier, il cesse d'être chef de quartier. Il cesse. Il ne faut pas que... D'abord, c'est ce que le commandant Touma a précisé ici. Nous ne voulons pas rentrer dans le secret militaire ici. Nous, les militaires, on dit quand on t'arrête dans les conflits de guerre, tu es ennemi, tu es avec tes ennemis, et le chef hiérarchique remonte. C'est ça l'information. On ne peut pas être informé de tout ce qui se passe, mais les choses majeures doivent être vues par l'autorité. Marcel Guilavogui et Monsieur Moussa Dadis Camara. À l'occasion du second passage de M. Marcel Guilavogui en juillet 2023, il a eu à dire concernant les recrues de Kaléa que c'est M. Moussa Dadis Camara qui avait habillé les jeunes recrues de Kaléa qui ont perpétré les massacres au stade du 28 septembre. Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Je confirme. Très bien. Monsieur Moussa Dadis Camara. C'est pas vrai, monsieur le procureur. Monsieur Camara, attendez que je vous pose la question. Oui. Je disais tantôt que lors du second passage de monsieur Marcel, il a eu à faire cette déclaration qui est contraire à la vôtre lors de votre interrogatoire. Est-ce que c'est vous, président d'alors, qui avez habillé les recrues de Kaléa qui sont allés perpétrer ces massacres-là au stade du 28 septembre? Monsieur le procureur, avec votre permission, si cela était le cas, je pense que habiller les hommes, aller au stade, je pense que
M. Toumba et autres. M. Kamara, excusez-moi. Le président vous a rappelé que c'est une confrontation et vous-même vous l'avez rappelé. C'est sur des points bien précis, c'est sur les points de contradiction. Ce n'est pas vrai. Je veux juste avoir votre avis, si vous confirmez ou si vous infirmez. Et je ne confirme pas, c'est des allégations, puisque comment habiller des hommes pour aller au stade? Est-ce que ces hommes-là, ils sont venus au camp devant lui? Devant lui? Monsieur Kamara, que je leur donne, comment que je prenne la tenue, monsieur, leur donner pour aller au stade? Monsieur Kamara, vous avez dit que vous ne confirmez pas. Je ne confirme pas, c'est des allégations. Je suis satisfait. C'est des allégations. Monsieur Aboubakar Diakité, alias Toumba, lors de votre interrogatoire, vous avez dit que vous avez vu Monsieur Marcel Guilavogui entrer au stade du 28 septembre. Et que c'est juste après son arrivée que les tirs ont commencé. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Oui, moi je m'en tiens à ma première déclaration et je n'ai pas de débat avec Marcel. Je pense que le président a pris note de mes premières sorties. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, c'est comme je l'ai dit. Je n'étais pas à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé, mais je l'ai dit à la hauteur de l'université. À la hauteur de l'université, et que les tirs ont commencé, je me suis retourné pour dire qui vous a dit de tirer. Et les gens tiraient, ils ne m'ont pas écouté. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme. Très bien. Monsieur Marcel Guilavogui, avant votre entrée au stade, puisque vous avez confirmé que vous étiez effectivement à l'intérieur du stade, est-ce qu'avant votre entrée, les tirs avaient commencé? En cette qualité, est-ce que, je reviens sur une question qui a été posée par mon collègue, est-ce que vous receviez régulièrement des informations des différentes garnisons ou les informations les plus sensibles, tout au moins, vous en receviez? Merci, monsieur le procureur. Pas régulièrement, parce que au niveau du commandement, commandant en chef des forces armées, c'est un titre honorifique parce que Excusez-moi, monsieur Kamara. Oui. Vous-même, vous avez décrit ce que c'est qu'une confrontation. C'est sur des points bien précis. Oui, j'ai dit. Maintenant, puisque vous êtes expliqué de long en large, c'est acté. Tout à l'heure, vous avez rappelé au président que tout le monde s'est expliqué. Donc, je voudrais que les questions que je vous pose. Est-ce que vous receviez des informations? C'est juste des différentes pour confirmer ou infirmer. Qu'on puisse évoluer. Des informations? Oui, des différentes garnisons. Pas à tout moment. Pas à tout moment. Oui, pas à tout moment. Bien. J'en recevais pas à tout moment. Monsieur Aboubakar Diakité Toumba, la même question. Est-ce que monsieur, parce que vous étiez son aide de camp, est-ce que monsieur Moussa Dadis Camara recevait des informations, ne serait-ce que sensibles, des différentes garnisons militaires à travers le pays? Oui, je vais le dire pour vous, c'est-à-dire donner vraiment la raison qui me permet. Vous savez, pour c'est-à-dire la fonction des militaires, c'est bien sûr la défense de l'intégrité du territoire national pour stabiliser, pour permettre au peuple d'être serein. À cela, n'oublions pas, l'armée. Est-ce qu'il recevait toutes les informations du pays? Oui. Tous les services de renseignement, que ce soit la DIGRI, que ce soit la DEGRE, que ce soit le deuxième bureau sur le chef d'état-major général, que ce soit le renseignement sur le ministre de la Défense, que ce soit le bureau de renseignement de la gendarmerie nationale, que ce soit celui de la tout converse à celui de la présidence. Pour conclure, pour directement
rassurer le président de la République, c'est-à-dire l'état de santé du pays. Donc, 24 heures sur 24 heures, je le dis, c'est comme ça le pouvoir fonctionne. Ce n'est pas spécifique à la Guinée, ça c'est partout ailleurs. Très bien. Voilà. Monsieur Marcel Guilavogui, la même question. Est-ce que vous qui étiez proche du président de Monsieur Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, est-ce que vous étiez informé sur le fait qu'il recevait ou pas des informations à travers les différentes garnisons du pays? Bon, le président Dadis et moi, je ne suis jamais resté dans son bureau qu'on vient de faire un compte-rendu, mais je sais que le président de la République, il est censé d'être renseigné. Est-ce que vous étiez informé qu'il recevait toutes les informations? Moi, je ne suis pas dans le commandement, je n'ai pas contrôlé cela. Est-ce que vous le saviez? Bon. Il était informé parce qu'il est président. C'est bon. Monsieur le Président, pour le moment, le parquet en a fini. Et nous vous remercions. La partie civile, s'il y a des points... Voilà, on va éviter les redites au maximum. Voilà. Nous sommes à la phase des confrontations. On vous envoie un micro, maître. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. On va poser quelques questions. Ma première question s'adresse à Monsieur Toumba. Vous avez dit lors de votre passage et dans votre procès verbal que la garde parallèle était dirigée par Gono Sangaré qui a fait embarquer des armes au moment des faits. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Et monsieur le Président Dadis, oui, maître. Est-ce que Gono Sangaré avait une garde parallèle qui a embarqué des armes au moment des faits? Je ne saurais vous le dire, monsieur le maître. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes informé de la garde parallèle qui évoluait aux côtés du président Dadis? Bon, la garde parallèle existait, le président le sait, parce que les personnes à laquelle on a œuvré pour avoir le pouvoir, après, nous avons vu des gens surgir, qu'il était là, il y avait une division. C'est ce qu'on appelle garde parallèle, qui exerçait d'autres choses qui n'étaient pas à notre vue. Donc, ceux qui ont constaté les faits, comme M. Toumba a dit, celui qui a constaté ça, moi, je n'ai pas constaté cela, je ne peux pas affirmer ou infirmer. Mais ce que je sais, qu'il y avait la garde parallèle, parce que Gono Sangaré, d'abord, actuellement, pourquoi il a fui? Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président Dadis? Oui, bon, tout ça, mais ce sont des allégations. Comme je l'ai dit, c'est un parallèle. Puis ça peut aussi être une garde parallèle. Ça peut être aussi une garde parallèle. Merci. Je vais poursuivre. Monsieur Toumba, oui, est-ce que, à votre avis, ces armes ont servi à la répression au stade? Je ne saurais le dire. J'ai expliqué le contexte en toute sincérité. C'est bon. Voilà. C'est bon. Très bien. Vous avez déclaré aussi que vous êtes rendu chez Gono Sangaré à son domicile. Vous avez trouvé des féticheurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Monsieur le Président Dadis? Des allégations pures et simples. Très bien. Et vous avez également déclaré, Monsieur Toumba, que Foromo était le féticheur du Président Dadis. Est-ce que vous le réitérez? Que j'ai dit. Monsieur Toumba d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est un monsieur que je respecte, Foromo. Il n'y a pas eu de mal, ça dit, de mauvaises choses entre nous. On a travaillé, il a travaillé, c'est effectivement. Ça, c'est un monsieur, il n'est nullement associé à quoi que ce soit dans ça. Hein. Monsieur Dadis, oui, voilà. Monsieur le Président Dadis, est-ce que Foromo était votre féticheur? Vous dites? Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Maître, vous savez,
on ne doit pas aussi quitter dans le cadre pénal, parce que ce procès, il est important. Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Archi-faux. Ce sont des allégations. C'est bon. Merci. Alors, parlant de Marcel, M. Toumba, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a frappé tous les leaders et en a blessé certains? Est-ce que vous confirmez ça? Je m'en tiens à ma première déclaration. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Merci. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous? Bon, j'ai beaucoup, plusieurs fois parlé de ça, avec sagesse ici. Moi, je ne suis pas un policier pour avoir un bâton en main. Avant tout, je suis militaire. Si on disait Marcel m'a frappé avec une arme, là, c'était quelque chose, on pouvait le comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas armé, quelqu'un qui n'a pas de couteau, quelqu'un qui n'a pas un bâton, comment il va s'hasarder à blesser certains leaders? Et même Jean-Marie Doré, qui a parlé de moi dans son procès verbal, on a suivi son audio ici. Il dit que c'est les inimaux. Marcel n'est pas inimaux. Que c'est avec les inimaux qu'il a affaire. Que c'est devant Tegoro. Tegoro a fait son passage ici. Tegoro ne m'a pas vu au stade. Très bien. À l'enceinte du stade. C'est bon. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que quand Marcel frappait Sidi Touré au crâne, sur le crâne, est-ce que vous étiez présent? Oui, c'est que, comme je l'ai dit, le deuxième passage de Marcel me concernant a été très illustratif. Donc, moi, par rapport à Marcel, je ne réponds pas. Est-ce que vous confirmez le fait que M. Marcel ait frappé M. Sidi Touré devant vous? J'ai confirmé qu'il a frappé les leaders et c'est terminé. Je ne rentre pas, j'ai suffisamment expliqué bon. Lors de mon premier passage. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez entendu M. Toumba? Qu'en dites-vous? Ouais, c'est la parole de M. Toumba. C'est la parole de Marcel dit. Marcel dit qu'il n'a pas frappé un leader. Très bien. Monsieur Toumba, toujours sur Marcel, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a extirpé Sellou Dalène dans vos mains pour aller le molester avec ses hommes à l'intérieur du stade? Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. Monsieur Marcel. Oui. Qu'en dites-vous? Enlevez la... Vous dites, vous posez-moi la question, je n'ai pas bien saisi. Monsieur Toumba confirme qu'au moment des faits, voulant sauver Sellou Dalène Diallo, vous l'avez extirpé avec vos hommes pour aller le molester. Il a confirmé. Qu'en dites-vous? Bon, Toumba est en train de parler parce que peut-être le temps, je ne le condamne pas. C'est un ami. Mais les gardes-corps qui étaient censés de sécuriser M. Sellou Dalène Diallo ont passé ici. Ils connaissent Marcel, ils connaissent Tegoro, ils connaissent chacun de nous, quand même. Mais ils l'ont confirmé ici que c'est les hommes habillés avec Tegoro qui ont molesté Sellou. Et celui même donc qui a porté Sellou au dos jusqu'à la voiture de Tegoro, il l'a confirmé. Marcel ne peut pas le faire, ce n'est pas Marcel. Très bien. Monsieur le Président Dadis, oui. Que pensez-vous de cette contradiction entre Marcel et Toumba? Mais entre, s'il vous plaît. La contradiction des versions. Entre qui? Entre Toumba et Marcel. Mais la contradiction... Bon, est-ce que son avis intéresse le tribunal? Le tribunal n'a pas besoin de son avis. Oui, c'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Merci, je passe. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que vous confirmez que Marcel vous a pourchassé quand vous étiez en train de transporter les leaders à la clinique Pasteur? Maître, je ne réponds plus à vos questions. Pourtant, vous devez répondre. Vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas. D'accord, je ne réponds pas. D'accord. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez pourchassé, selon Toumba, les leaders qu'il était en train de transporter à l'hôpital? Pourchassé? Oui. Moi, c'est le mot pourchassé, là. Je ne suis pas un assassin. Pourchasser quelqu'un? Est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba pendant qu'il
qu'il transportait les leaders blessés à la clinique. Le commandant Toumba, c'est un ami, c'est un chef. Voilà, c'est pas d'abord au stade 28 septembre que nous sommes ensemble. Voilà, commandant Marcel et Toumba, c'est des amis. Ça, c'est, il ne faut pas qu'on cache ça. On ne cache pas ça, mais on est devant le tribunal. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je suis parti vers Toumba, mais je ne l'ai pas pourchassé. Très bien. Monsieur Toumba, une autre question. Commandant, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels Marcel a menacé de faire sortir la clinique Pasteur si vous ne sortiez pas les leaders? Je ne réponds pas. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que, au moment des faits, vous avez menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré quand les leaders y étaient admis? Je vais être clair. Le commandant Toumba dit qu'il ne parle pas, il a raison, il a sa raison. On n'est pas là à opposer les gens. On est là à trouver la Monsieur vérité. Monsieur Marcel, je voulais s'il dire... vous plaît. Oui. Ce n'est nullement une opposition. Oui, Monsieur le Président. C'est pourquoi on l'a appelé confrontation. Merci. Et on est en train de confronter. Et cette confrontation, ce n'est pas vous. Ce sont les propos ou vos différentes déclarations. Ce sont vos déclarations précédentes. Monsieur Aboubakar Diakité avait fait des déclarations sur vous. Ce sont ces déclarations qu'on est en train de lui rappeler. Et ce sont des déclarations qui avaient été tenues devant vous-même, vous étiez là. Donc on revient simplement pour ça, pour des fins de vérification. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est nullement, ou ça n'a nullement pour objectif d'opposer qui que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour l'affaire des grenades à la clinique Ambroise. Oui. Ma deuxième sortie, j'ai bel et bien dit, c'est moi qui ai pris ma grenade contre Tegoro, le colonel. Le colonel Tegoro, lui, il a passé ici, il dit que c'est Toumba qui a fait sortir la grenade contre lui. Alors, moi, j'ai pris la grenade contre Tegoro. C'est pourquoi la version, vous savez, quand il y a une situation, chacun parle. Bon, et pourquoi vous avez pris cette grenade contre lui? Parce que sa façon, la manière dont ils ont géré la situation du 28 septembre, le pouvoir que nous avons pris, dans les difficultés, les gens surgissent, ils viennent mettre le président dans l'erreur. C'est pourquoi on est là. C'est ça, j'étais acharné contre lui. La question est répondue, maître. Voilà, merci, monsieur le président. Ensuite, est-ce que, monsieur Toumba, commandant Toumba, est-ce que quand vous avez quitté la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels, est-ce que les propos que vous avez tenus ici, est-ce que vous confirmez qu'effectivement, monsieur Marcel, vous a suivi encore au commandement de la gendarmerie? Est-ce que vous confirmez ça? Je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba de la clinique Ambroise Paré au recommandement de la gendarmerie? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le commandant Toumba, c'est mon ami. Nous marchons ensemble. Comme je ne suis pas lié à un groupe. Oui. Je crois. Oui. Est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous confirmez ces propos? Non. Je ne confirme pas. Monsieur Marcel, vous également, bon, lors de votre passage à la barre ici, vous avez dit qu'effectivement, vous également, vous aviez été marginalisé par le président Dadis quelques mois après la prise du pouvoir. Mais le président Dadis a confirmé ici, déjà. Quelqu'un qui a eu les cours, qui a admis pour une mission, aller faire des cours d'officier 6 ans. Et si tu le maintiens dans ton pouvoir? Il est là, demandez-lui qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il a fait pour ma famille, qu'est-ce qu'il a fait pour mes enfants, qu'est-ce qu'il m'a donné comme objet, vraiment, de demain. Et quelle responsabilité de commandement il m'a donné, quel décret a-t-il donné? C'est suffisant. L'audience est suspendue.
le tribunal criminel. Quand on annonce le tribunal, vous vous levez, monsieur. Voilà. Ministère public compte monsieur CC Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Moussa Dadis Camara, monsieur Aboukar Diakité et monsieur Marcel Guilavogui. Venez, s'il vous plaît. Maître Diès, vous aviez fini, hein? Voilà, monsieur le président, il reste une toute petite question. Monsieur Marcel, lors de votre passage, au deuxième passage à cette barre, vous avez déclaré que le planificateur, l'organisateur et le planificateur du massacre du 28 septembre est le président Dadis. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Monsieur le président Dadis, qu'en pensez-vous? Oui, qu'il en donne les preuves, parce que lui-même, il a dit dans son passage qu'il n'a assisté à aucune planification, ça n'engage que lui. J'en ai terminé, monsieur le président. Je vous remercie, honorable assesseur. Merci, bon, monsieur le président. Que ce soit vraiment des points de contradiction, hein, pas des questions à tout le monde. D'accord, monsieur le président. J'ai juste deux questions de confrontation. Commandant Toumba, à la barre, vous avez dit qu'il arrivait que capitaine Dadis vous laissait pour sortir et aller à des besoins, mais que vous n'étiez pas informé et que par moment, il fallait que vous le cherchiez. Vous maintenez cela? Oui, maître. Bien. Capitaine Dadis, à vous également. Lors de la gestion du pouvoir, il arrivait que vous laissiez, commandant Toumba, votre aide de camp et prendre d'autres gardes pour partir. Je ne confirme pas. Je vais... C'est bon, vous n'avez pas la parole. Bien, vous avez déjà répondu, c'est bien. Vous dites? Non, vous avez répondu, c'est bien. Bien, commandant Toumba, deuxième question. Oui, maître. Lors de votre passage, vous aviez dit que tellement vos relations étaient mauvaises entre vous et M. Marcel, et que même d'ailleurs un jour, lors d'une rencontre, avec des femmes ou quelque chose, une cérémonie, il vous a tendu la main pour vous saluer. Vous lui avez dit, si vous répétez la même chose, je vais casser votre bras. Et que d'ailleurs, vous avez ordonné à votre chauffeur que s'il s'arrête devant vous, qu'il marche sur lui. Vous maintenez cela? Bon, le tribunal ne voit pas cela comme étant vraiment intéressant. Ok, d'accord. Merci, monsieur le président. Et c'est fini pour moi. Merci. Merci, monsieur le président. Alors, vous me permettrez, monsieur le président, d'aller sur la base de l'audition du commandant Toumba Diakité devant la commission internationale d'enquête pour ressortir mes éléments de contradiction.
Alors, mon commandant, commandant des contradictions, Tomba, s'il vous plaît, des contradictions à travers les seuls propos de M. Diakité ou bien des contradictions avec des propos de quelqu'un d'autre. Je pars des propos tenus, des déclarations faites par le commandant Tomba Diakité pour les opposer aux trois accusés qui sont à la barre. Allez-y, on va voir. D'accord. Non, le tribunal va apprécier. Suivons-le. Comment on peut dire qu'il n'a pas, il a été entendu par la Commission internationale d'enquête? On ne peut pas dire qu'il n'a pas été entendu. Voilà, c'est pourquoi on ne va pas... D'accord. C'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne va pas accepter ici. Okay. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Tout d'abord, mon commandant. Oui, maître. Sur la question de savoir entre vous et Claude, le colonel Claude Pivi, on vous avait posé la question de savoir si vous étiez allé au stade sur ordre du colonel Claude Pivi. Vous avez déclaré que le colonel Claude Pivi ne vous commande pas. Il était ministre de la sécurité présidentielle